Get hyper. Allez-y, précédemment sur ma chaîne. Proposez vos défis. Donc, au début, j'avais dit que c'était seulement en mêlée générale. Mais comme je joue beaucoup dans d'autres modes, que ce soit EC, points stratégiques ou match à mort, vous pouvez me donner des défis. Alors, si toi aussi tu l'as raté, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne pour la retrouver. Allez, bon gameplay. Donc voilà, n'hésite. Voilà. À l'heure où je commente cette vidéo, nous sommes le 22 décembre. Il est midi 48. Et putain, on est tous vivants! Ouais! Hey! Yo! Salut les campus, c'est T-Bac! Comment ça va? Moi, ça va super bien! Ben voilà, comme vous l'avez entendu, nous sommes le 22 décembre et notre cœur continue de battre. Yeah! Alors voilà, la fin du monde est passée. Bah, apparemment, c'était pas sur notre planète, hein. C'était sur une autre planète. Et blague à part, c'était quand même la 183e fois, si mes souvenirs sont bons, d'après ce que j'ai vu à la télé, que la fin du monde était programmée. Et ouais, on est encore Al. On est Al, t'as vu? Alors, salut les campus! J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis, oui. Mon gameplay nucléaire. Voilà, pour fêter la fin du monde qui est passée sur la planète Namek. Voilà, ceci dit, franchement, pour être franc avec vous, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la fin du monde, personnellement, je n'y croyais pas trop, mais à force d'en entendre parler de partout, vous savez, le bourrinage de crâne, on a quand même un petit doute, on se dit, on sait jamais s'il y a ci, s'il y a ça. Enfin bref. Alors, je vais vous parler un petit peu du gameplay. Comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons sur la map Yémen. C'est une map que j'aime plutôt bien dans le jeu, quand même. Est-ce qu'elle est adaptée aux mitraillettes? Ça va, c'est correct, hein, parce qu'on a pas mal de mid-range. Ça va, ouais, ça peut le faire quand même. Parce que je le dis bien souvent, il y a certaines maps qui ne sont pas trop adaptées aux mitraillettes. Des maps qui prennent beaucoup de longueur. Mais enfin, bref, alors. Je vais vous parler un petit peu de mes atouts. Mes atouts sont un petit peu les mêmes de partout. Alors, sur ce gameplay, je suis donc en fantôme. Et qu'est-ce que je raconte? Ouais, fantôme, détermination comme d'habitude. Robustesse avec ingénieur. Et ingénieur. Et le troisième, I wonder, je me souviens plus. C'est pas grave, Osef, de toute manière, le jeu, vous l'avez tous, vous le connaissez. En général, je prends dextérité avec ingénieur. Enfin bref. Alors, c'est le gameplay nucléaire dont je vous parlais. Sincèrement, les gars, j'ai vraiment galéré. Ouais, je peux vous le dire. J'ai vraiment galéré parce que c'est quand même 30 kills à faire à la main. C'est-à-dire sans soutien à rien. Hein, pas d'avion, pas de bordel. Donc, au niveau du score streak, vous pouvez le voir sur la droite. J'ai donc le drone de brouillage. Et la microstation orbitale, d'ailleurs, je trouve ce nom à chier, je préfère dire le Blackbird. Ça fait plus stylé, ça fait plus américain. Tu vois ce que je veux dire, mec? Yeah! Alors, drone de brouillage et Blackbird, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux adapté pour faire ce satané défi. Alors, comme je le disais, 30 kills à la main, purée. Eh, c'est pas simple, les gars. Hein, c'est pas comme sur MW3 où on était en mode godlike, on avait le mode spécialiste, où il fallait faire que 24 kills, on avait tous les atouts. Non, là, c'est... C'est vraiment différent, et puis le jeu est encore récent, donc on n'est pas tous non plus des ouf de chez ouf, t'as vu? T'as vu? Tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Bon, enfin bref, la map Yémen, comme je vous le disais, c'est une map qui est assez ouverte, il y a pas mal d'immeubles, c'est une map qui fait partie chez moi, j'appelle ce genre de map les maps à fenêtres, tout simplement parce que si vous vous promenez dans les allées, vous allez très souvent voir des gars aux fenêtres avec des fusils d'assaut ou des snipers. Mais bon, c'est pas grave, on est là avec notre mitraillette, on est là pour aller les rusher. Alors j'en parlais précédemment, le Blackbird c'est fucking godlike, et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a Dims qui a balancé le groupe de chasse. Le groupe de chasse, c'est un truc de ouf, ça fait masse kill sur les maps très ouvertes. Je crois que le plus gros carnage que j'ai fait avec le groupe de chasse, c'est sur Turbine. Je crois que c'est...
En élimination confirmée, je crois que c'est... Ah non, c'est la deuxième map. Non, sur deux maps. Sur deux maps, j'ai dépassé les 60 kills en élimination confirmée. C'est donc sur Turbine et Red. Red aussi, qui est une map que j'aimais beaucoup au début du jeu. Puis là, il y a les mecs qui commencent à prendre des longueurs que j'aime pas trop de faire du spawn à spawn. Bon, enfin bref. Alors, le nucléaire, 30 kills à la main, c'est pas évident du tout. Bah c'est un petit peu comme les mobs, hein. Il y a certains moments, bah, il faut chatter, hein. On va être dans le rouge. On va être dans le rouge très souvent, hein. Pff, mais bon. Alors, j'ai mis, pour être franc avec vous, pratiquement un mois à faire ce putain de défi. Ça, c'est un défi qu'un abonné m'avait proposé sur un gameplay que j'avais fait au début de la sortie du jeu. Voilà, donc pour l'instant en stock, j'en ai qu'un deuxième, mais celui-là, j'avais dit que si on était encore vivant, j'allais fêter donc, j'allais fêter donc, pardon, ça, en vous montrant ce gameplay nucléaire. Alors, il y a mes copains qui balancent un peu de soutien à rien, du coup, ça me fait un petit peu galérer pour trouver des ennemis, mais c'est pas grave, on est très souvent en full Blackbird, comme je disais sur une vidéo précédente. Une fois que le premier Blackbird a été envoyé, si je suis avec beaucoup de collègues qui savent plutôt bien jouer, alors ouais, si je suis avec l'ASG en général, si on a un premier Blackbird, bah après c'est fini pour les ennemis, hein. C'est du full Blackbird. Alors j'ai pas un PC de ouf, les gars. J'ai pas pu vous faire comme Gotaga ou je sais pas quel autre YouTuber à vous mettre un petit compteur en haut à droite. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire ça, ouais, mais mets un petit compteur pour qu'on voit le nombre de kills. Et bah, désolé, faut compter avec votre tête, les gars. Moi, j'ai un vieux PC de Noobar. Déjà, je suis bien content de pouvoir uploader des vidéos en HD avec ce vieux PC qui date de 2008, hein, quand même, hein. On va quand même rentrer en 2013, les gars. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est vraiment un PC qui est sur la fin de série. Bah, je galère un petit peu. C'est pour ça que je vous fais pas non plus beaucoup de face commentary, parce que le rendu de face commentary, enfin, c'est un peu long, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, comptez bien, regardez bien, et voilà! Nucléaire au dernier kill, j'ai chaté. C'était vraiment très très juste. Vous l'avez vu, la petite médaille nucléaire en haut. Et bien voilà, les gars, je vous ai offert ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ne rendez pas! Allez, salut, bye bye!